Les amis, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un like si vous voulez que je refasse un autre épisode, donc l'épisode 5. Et si jamais vous voulez que je fasse plein de tutos Redstone, parce que maintenant j'ai pu récupérer la tablette et filmer avec. Donc n'hésitez pas à dépasser les 150 likes. Si on ne les dépasse pas, eh ben, je ne ferai plus de vidéos sur les commandes et sur les tutos Redstone. Donc je compte sur vous pour partager un max. Et bien salut tout le monde, c'est HippotGamer172, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super, on est de retour aujourd'hui sur la tablette pour un nouvel épisode de des tutos commandes tout simplement. Donc si jamais vous voulez que je refasse un autre épisode, que vous voulez tout simplement que je fasse encore d'autres tutoriels Redstone, parce que les tutoriels Redstone vont arriver, on va essayer de battre le record de 150 likes obligé si jamais vous voulez que je refasse d'autres épisodes et d'autres tutos Redstone tout simplement. Donc aujourd'hui on va parler de la commande slash toggle down fall. Donc c'est très très simple, donc c'est une commande pour mettre la pluie tout simplement dans vos maps, aventures, etc. Donc vous allez juste aller dans le chat, mettre slash hop, toggle down fall, comme ceci, alors pas hop, avec un D, toggle down fall, comme ceci, vous faites entrer, et du coup voilà, il va commencer à pleuvoir. Donc il y a deux astuces pour pouvoir enlever la pluie. Donc soit vous remettez la même commande, donc slash hop, toggle down fall, comme ceci, voilà, et alors là, le temps va s'éclaircir et la pluie va s'enlever, tout simplement. Comme ceci. Donc vous allez mettre la commande encore une fois toggle down fall. Hop. Toggle down fall. Comme ceci. Et voilà. Donc là il va recommencer à pleuvoir. Et vous avez une autre commande pour pouvoir l'enlever. Tout simplement c'est slash weather clear. Comme ceci. Donc weather clear. Comme ceci, voilà. Et donc là le temps va s'éclaircir. Et la pluie va s'enlever. Tout simplement. Donc voilà, en tout cas, moi j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre un like et à partager sur tous les réseaux sociaux. On va essayer d'atteindre les 150 likes pour pouvoir que je fasse un autre épisode. Donc si jamais j'ai pas les 150 likes, eh ben je ne ferai pas de deuxième épisode, enfin d'épisode de Redstone et surtout d'épisode sur les commandes. Donc voilà, mettez ça dans les commentaires et comme je vous le rappelle à chaque fois, c'est un tuto pour débutants, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les commandes qui viennent d'arriver sur le jeu. C'est pas pour ceux qui s'y connaissent au moins un peu sur Minecraft. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine, c'était HippotGamer172. Allez, bye tout le monde.